bien tes mains. La vie qui éclabousse, tes fous rires carmin. Reste encore, il faut t'oublier. On porte sur nos vies les haillons du passé. Je veux voir dans tes yeux jusqu'à n'en plus finir. Et enfin, enfin, devenir l'innocence de la vie. Et juste toi. Effectivement, qu'est-ce que j'entretiens avec mon époque, je dis rarement Hall de France. Donc déjà, c'est le premier truc. Non, c'est pas une époque qui m'éclate particulièrement. Je la trouve assez... voilà, je vis dedans, c'est aussi mon époque. J'ai aucun problème avec de ce côté-là, sauf que ne m'emballe pas particulièrement. Je trouve que c'est un grand foutoir en ce moment. C'est un peu bordélique, j'ai du mal à suivre. T'es prêt à remplacer ta casquette par un bonnet rouge ou pas? Ouais, j'ai entendu parler des histoires de bonnet rouge, mais il y a des histoires de droite un peu là-dedans aussi. C'est un peu tout mélangé. Donc je sais pas. Voilà, c'est une époque qui est pas très lisible en fait. Voilà, c'est plus ça qui me gêne. C'est pas très lisible, mais je me sens pas en décalage total avec l'époque. C'est pas parce qu'il y a plein de propositions que je suis obligé de toutes les prendre. Donc t'as pris quand même quelques repères dans Paris. T'es bien, tu. Des repères, tu veux dire quoi, des bars Non mais je veux dire que, pas, c'est que la vie, on va dire show business, ça c'est quelque chose que t'as approché ou pas du tout? Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer un peu à travers des soirées que je connaisse très bien. J'ai fait des soirées comme la soirée autour de Laurette Fugain où j'ai vu un petit peu tout le monde de la télé, comme ça. La soirée que j'ai fait à Cazenavour à l'Olympia pour France 2 où j'ai côtoyé un peu des gens. Et il y a quelqu'un comme Patrick Bruel avec qui on a un peu, je ne vais pas dire fraternisé, mais on s'est rencontrés, c'était une belle rencontre, mais je sans plus. Tu ne cherches pas après à avoir plus de contacts que ça? Non, mais j'ai pas envie d'être un artiste télé non plus. Je suis content d'y passer pour dire regardez, j'existe et je fais des choses à côté, venez voir ce qui se fait, mais c'est un autre métier, c'est pas le même métier exactement. Il y en a qui font les deux, qui arrivent bien à faire les deux. Ça peut être un autre métier, quoi. C'est pas la... Mais ça sert aussi pour la vente des disques, toi qui sors des disques. Ça sert pour la notoriété, on en a besoin dans nos métiers. Mais... J'espère qu'à chaque album, j'ai amené une note de plus, une espèce de touche de plus. Oui, mais il y a l'impression de quelque chose de plus. Encore plus personnel, alors peut-être dans la prod, peut-être je ne sais pas où, mais... La production, ce dont je parlais comme forme tout à l'heure, production, il fait quelque chose de toute façon, oui, il y a une... Je pense qu'on est... Je pense mon premier album est très, très aimé, c'est celui dont on me reparle beaucoup, mais malgré tout, ça reste une esquisse. Je crois que... Enfin, je ne vais pas faire des comparaisons... douteuse, mais je pense qu'un peintre commence, il peint au début et ça s'affirme avec le temps. J'ai besoin de penser qu'artistiquement c'est ça aussi chez moi. Je ne sais pas exactement ce que je suis, j'avance. Quand bien qu'ayant les yeux clos, on ne trouve pas le sommeil, qu'on soit toujours en porte-à-faux.